Ici le philosophe jovialiste André Moreau. On m'a demandé de préciser ce que je pensais de la sexologie. Comme vous le savez, je ne suis pas un homme intéressé aux sciences physiques ni aux sciences humaines, parce que ces sciences-là sont encore dans l'enfance. Elles bredouillent, alors que la philosophie a 3000 ans. Alors, quand on me pose une question, comme la question de la sexologie, cela allume immédiatement certains éléments théoriques et pratiques dans mon cerveau. Je me dis, dans un contexte jovialiste, peut-on encore faire de la sexologie au sens médical du terme? La réponse est non, c'est impensable. Peut-on encore en faire dans un sens religieux? Comme à l'époque où je croyais que le Québec pourrait changer et que je proposais aux aumôniers dans les collèges une pastorale de l'orgasme. La réponse est non. La sexologie est, on pourrait dire, une science qui ne m'intéresse pas. Mais par contre, je suis vivement intéressé à l'érotologie. À l'époque où je travaillais avec le docteur Manouvrier, qui a été le grand initiateur de la sexologie au Québec, beaucoup plus que le docteur Gendron, qui s'est fait connaître pour un livre ridicule, ce que toute jeune fille devrait savoir, alors qu'avec le docteur Manouvrier, on atteignait des sphères supérieures de réflexion, j'avais compris qu'il accordait un rôle très important à l'érotisme, même s'il n'en avait pas formé la théorie complète. En effet, il était au courant de ce que d'autres éminents penseurs avaient écrit, comme Henri Van Lier et son très beau livre sur l'intention sexuelle, un Belge comme le docteur Manouvrier, et l'érotisme de Georges Bataille. Ce sont deux précurseurs. Georges Bataille est français. Au Québec, on ne connaissait rien de ces choses-là, et à partir du moment où, pressé par la modernité d'agir, on a confié l'enseignement, l'éducation sexuelle dans les écoles aux professeurs de catéchèse. Ce qui était assez ridicule parce que c'était de purs ignorants. Alors, l'idée que je me suis faite d'érotisme est en rapport avec mon système de pensée. Vous comprenez que dans un contexte où un contexte fonctionnel, matérialiste, comme celui de notre époque, l'érotisme n'a pas la même signification que dans le contexte de mon épistémologie immatérialiste, où je considère le corps non pas comme un objet matériel, mais comme un vécu de la conscience constituée. N'oubliez pas dans quel contexte je vous parle. Je vous parle dans le contexte du monisme immanentiste. Alors cela signifie que nous ne sommes pas dans un corps. Nous ne sommes pas dans le monde. Le monde, notre corps et tout ce qui existe est dans la conscience, que je définis comme un espace d'apparition. Donc à partir du moment où on ne voit plus les choses de la même façon, au point que le corps n'apparaît plus comme un objet matériel, la sexualité prend un sens très différent du sens que les médecins ou les sexologues actuels vont lui donner. La sexualité devient un média de communication. Et c'est ce que j'avais voulu démontrer dans le livre que j'ai écrit avec le docteur Manouvrier, la médiation sexuelle. Cette idée que la sexualité est un média, qui fait beaucoup penser à la radio, par exemple, et quelque chose qui était nouveau au moment où on a abordé cette question-là lors de la publication de notre livre en 1969. Je me faisais beaucoup penser à Edison, hein, au moment où il a fait ses premiers essais avec la radio, et ce, dans le but de communiquer avec les morts. Alors, on devine que la radio a pris une toute autre orientation. Edison était, à cette époque, un homme très spirituel. Et ce qui l'intéressait,
c'était comment on pourrait utiliser la radio pour entrer en contact avec l'inconnu, avec l'au-delà, avec l'invisible. Et effectivement, il avait raison fondamentalement. J'ai un de mes amis dont la femme venait de mourir et qui était couché sur son divan dans son salon. Soudainement, il l'a vu apparaître à la télévision et elle lui a dit « Ne t'en fais pas, je vais très bien ». Alors, il s'appelait Gérard, il m'a appelé ici, il dit « André, je suis un pur athée, je suis un socialiste et je suis un franc-maçon. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe ». Mais je dis « Vois-tu, nous possédons soit à travers notre système nerveux, soit à travers des outils qui charrient des ondes, des véhicules qui peuvent nous permettre d'acquérir des connaissances concernant des domaines ignorés par la science ». Alors, c'est en ce sens-là que, pour moi, la sexualité est la porte de l'occulte. La sexualité est, pour moi, une structure d'accueil, de créativité et de jeu, dont le but est d'amener l'humain à vivre comme un être de loisir et non comme un homme qui va mourir. M'a-t-on compris?